Bonjour et bienvenue. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui il pleut, c'est l'orage. Au moins ça va arroser les jardins. Bon, bah écoutez, on va s'asseoir tranquillement sur le tapis déjà, si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, on va prévoir un coussin. On va travailler avec le coussin au niveau de l'assise. Hein. Donc prenez le temps de prévoir un coussin ou un bloc, si vous avez le bloc, ou alors un coussin un peu, comment dire, un peu ferme hein, pour bien se positionner, pour bien remonter le bassin. Voilà, c'est bien. Super. Écoutez, tranquillement, doucement, nous allons commencer comme d'habitude couché. Prenons le temps de nous installer confortablement. Allongeons-nous. Tête et nuque au repos, les épaules bien étalées. Le dos, les fessiers, les jambes. Donc, vous inquiétez pas, ce qu'on entend derrière, c'est le tonnerre. Voilà, quelques inspires, expires, prenons bien le temps de relâcher tout notre corps sur le tapis, tous les appuis du corps au sol, sa structure, sa forme, son poids. Laissons glisser notre corps au sol, installons-nous, prenons notre place. Tranquillement, doucement. Prenons bien le temps de relâcher les épaules, les bras, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Le dos s'étale un peu plus, le bas du dos, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Quelques inspires, expires profondes. Prenons le temps de nous relier au souffle. Tant à l'inspire qu'à l'expire. À l'inspire, accueillons l'air dans nos narines, dans nos poumons, la poitrine se soulève, les côtes, le ventre. Accueillons l'inspire. À l'expire, le ventre s'abaisse, les côtes, la poitrine, l'air sort des poumons. Observons le souffle à la sortie des narines. Accueillons l'expire. Laissons le souffle s'harmoniser, se réguler. Quand le souffle s'harmonise, le mental s'apaise. Quand le mental est apaisé, j'envoie un message à mon corps, un message d'apaisement, bien sûr, de sécurité. D'intériorité. Déjà, on se sent plus détendu, plus calme, plus centré. Prenons le temps d'observer pendant quelques instants. Laissons dehors les stress, les angoisses, ce qui est difficile, pour entrer dans notre espace de yoga. Un espace tissé de bienveillance, de bienfaisance, un espace pour soi. Fermons la porte à ce qui est dehors.
Tranquillement, doucement, amenons les deux pieds vers les fessiers. Les pieds ouverts, largeur bassin. Les genoux, quelques inspires, expires profondes dans tout le bas de notre dos. Amenons notre attention dans le bas du dos. Relâchons bien toute la ceinture lombaire sur le tapis. Le menton est quelque peu rentré. Amenons les deux genoux sur l'abdomen. Attrapons les deux genoux avec les deux mains. Quelques mouvements de nos genoux d'avant en arrière dans un premier temps. Puis d'un côté et de l'autre. Chaque main sur chacun des genoux. Voilà, on ouvre un peu les genoux. Voilà, on revient dans l'axe, on ouvre un peu les genoux. Et on referme. On ouvre. Et on referme. On ouvre. Et on referme. Donc chacune des mains sur les genoux, main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit. Inspire, j'ouvre les genoux. Je dessine un demi-cercle avec mes genoux. Mes genoux se rejoignent devant, mes bras sont tendus. Et j'expire, je ramène les genoux sur le ventre. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre. Je dessine le demi-cercle. Deux genoux se joignent et j'expire. De nouveau, inspire. Expire. Et je continue. Inspire. Une dernière fois, inspire, j'ouvre, demi-cercle, expire, j'inspire, j'expire, je ressens, tranquillement, doucement, de l'autre côté, inspire, je tends les bras, j'expire, j'ouvre les genoux, demi-cercle, les deux genoux se rejoignent sur la poitrine. J'inspire, je tends les bras. J'expire. Et on continue, chacun, chacune à son rythme. On inspire. Tranquillement, doucement, je ramène les deux genoux sur la poitrine. J'inspire, j'expire, je ressens, j'amène un peu plus les cuisses sur le ventre. Je sens bien le mouvement de mon ventre qui se gonfle et se dégonfle contre mes cuisses. Tranquillement, doucement, je passe les bras entre les genoux, le menton rentré, j'attrape les pieds. Tranquillement, doucement, posture du bébé heureux. Menton rentré, je reste. Le souffle est long, régulier. N'oublions pas le contact, le lien avec notre respiration. Tranquillement, doucement, j'inspire, j'expire, je relâche mes deux pieds, latéralement mes deux genoux, souffle sur le côté, posture du papillon qui dort.
Une inspire, expire profonde. À l'inspire, mon ventre se gonfle. À l'expire, mon ventre se dégonfle. Et tranquillement, doucement, je laisse glisser les deux pieds à l'avant du tapis, je laisse glisser les deux bras. J'inspire, j'expire profondément, je laisse infuser, je ressens. Et tranquillement, doucement, je passe sur le côté quelques instants pour venir m'asseoir sur mon tapis. Voilà, donc c'est le moment de prendre le coussin ou le bloc. Voilà, installons-nous confortablement. Vous voyez, du coup, mon bassin est surélevé. Je m'assois à l'arrière des ischions. Voilà, donc tout simplement, en fait, je vais placer le pied gauche, le talon gauche au niveau du pubis et la jambe droite devant. J'essaye d'être dans cette ouverture de hanche, et c'est parce que mon bassin est surélevé par le coussin, un coussin bien ferme. Ça peut être aussi un dictionnaire ou un bloc, si on a ça à la maison. Voilà, installons-nous confortablement, le dos est bien droit, sans être dans la rigidité, les épaules bien détachées des oreilles, pardon. Le regard est tourné vers l'intérieur pendant quelques instants. Prenons quelques instants pour observer notre monde intérieur. Le souffle est régulé, harmonisé. Le souffle se prolonge. Amenons notre concentration entre les deux sourcils, Ajna Chakra. Tranquillement, doucement, ouvrons les yeux, les épaules bien basses. Inspire, je lève le menton, j'ouvre les épaules, j'ouvre la gorge. J'expire, menton contre la gorge, je rentre le ventre. Inspire, rétroversion du bassin, je m'ouvre, expire, et on continue, chacun chacune à son rythme. Dernière fois, j'inspire et j'expire. Mais au bout de l'expire, je reste en rétention, poumon vide, je serre le périnée, le nombril, le menton est rentré. Quand l'inspire se présente, je lâche périnée, je lâche nombril, je reviens dans l'axe. J'inspire, j'expire profondément, je ressens. Tranquillement, doucement, la gyration, inspire, je vais vers l'avant, j'expire vers l'arrière. On réveille tout le bas de la colonne vertébrale, allez, on continue, inspire,
Expire. Alors, si le souffle est plus rapide, tout simplement, je ne vais pas synchroniser le souffle et le mouvement. Ça va être inspire, expire. Vraiment, je vais juste. Voilà, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Allez, on continue. Et de l'autre côté, inspire devant. On va chercher bien loin devant. Expire derrière. Et on va chercher bien loin derrière. Dernière fois. Et on revient dans l'axe. On inspire, on expire, on ressent. On observe le bas de notre colonne. Croisons les mains derrière la tête au niveau de l'occiput. Donc ouverture. Inspire, expire. Tranquillement, doucement, inspire, expire, on va vers la gauche. On inspire, vers la droite. On revient, la gauche. On revient sur l'inspire, la droite. On revient, la gauche. On revient, la droite. L'axe, de nouveau, cette ouverture des coudes, des épaules, des omoplates, cette ouverture du cœur. Puis tranquillement, doucement, on lève les bras, on regarde le bout des doigts. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Allez, on s'étire encore un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et on expire, main devant le cœur. Inspire, expire profond, on ressent. Voilà, on revient. La main gauche au sol. Donc, vous voyez les bouts des doigts de la main gauche. Tranquillement, doucement. J'inspire, je lève le bras, je laisse glisser la main gauche, et j'inspire, j'expire dans tout le côté droit du corps. Inspire. J'expire, le bout des doigts au sol, je ressens, tranquillement, doucement, j'inspire, j'expire, la main droite glisse sur le côté droit, je lève bras gauche, j'inspire, j'expire sur tout le côté gauche du corps. Et
Et je reviens le bout des doigts au sol, j'inspire, j'expire. Dans quelques instants, les mains ouvertes sur les genoux, Chin Mudra. Prenons le temps de visualiser la lumière entre nos deux sourcils, devant nos yeux, derrière notre front. Puis tranquillement, doucement, les mains se rejoignent devant la poitrine. Les mains au sol, tranquillement, doucement, j'avance mes doigts comme une petite fourmi. Je vais vers l'avant, je vais vers l'avant, je vais vers l'avant, je rentre le menton et je vais le plus loin possible. Les mains comme des étoiles. Et j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, j'expire, je laisse infuser. Puis tranquillement, doucement, les mains au sol, attention, ça ne va peut-être pas être forcément possible pour tout le monde, je monte. Je viens m'asseoir sur mes talons. Ouverture des genoux pendant quelques instants. Et tranquillement, doucement, je viens me mettre à quatre pattes. Voilà, prenons le temps de nous installer à quatre pattes. Alors, je pousse un petit peu tout ça parce qu'après, je vais vous montrer une posture. Voilà, plaçons-nous à quatre pattes, on peut s'asseoir un peu sur les talons pour relâcher un petit peu tout le bas de notre corps. Voilà, inspire, expire dans tout le bas du corps. Et tranquillement, doucement, je me place à quatre pattes, donc les mains les doigts ouverts comme des étoiles. Voilà, je relâche un peu la tête pour soulager les cervicales. Et donc, tout simplement, dans un premier temps, je vais... Donc, les mains sont bien à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Tout simplement, dans un premier temps, la rotation. Rotation d'un côté. Il n'y a pas que notre bassin qui est en rotation. Tout notre corps est en rotation. Et rotation de l'autre. Observons ces micro-mouvements, la détente liée à ces micro-mouvements. Et revenons dans l'axe. Quelques postures de chat. Inspire, on creuse le dos, on sort le menton, baisse les épaules, expire. On appuie sur les mains, on rentre le menton, on rentre le ventre, inspire. Expire. Voilà, maintenant le périnée, le nombril. De nouveau, j'inspire. Inspire. Expire. Et on maintient bien le périnée, Mulabandha, le nombril, Uddiyana Bandha, le menton est rentré, Jalandhara Bandha. On s'assoit sur ses talons pendant quelques instants.
On inspire, on expire, on ressent. Et tranquillement, doucement, on monte. Le tigre. Donc les genoux, légère ouverture bassin. Inspire, je lève la jambe, je lève le menton. Je fais attention à ce que ma hanche reste dans le même axe, c'est-à-dire que je ne fais pas comme ça. Là, j'ai vraiment la hanche, les deux hanches sont sur le même niveau. Et j'expire, je ramène le genou vers le front vers le genou. Mon genou ne se pose pas. De nouveau, j'inspire, je me déploie. J'expire. J'inspire. J'expire. Je ramène genou gauche à côté de genou droit, je relâche. Et je monte. De nouveau, j'ajuste les appuis bien fermes, bien solides, les mains bien ancrées au sol. J'inspire, je monte jambe droite, j'étire le menton, je laisse circuler l'énergie du sommet du crâne jusqu'au bout du pied. J'expire, menton vers le front, front vers le menton, je me regroupe, j'inspire, de nouveau, je me déploie. J'expire. J'inspire. J'expire. Et de nouveau, je m'assois sur les talons, je relâche. Tranquillement, doucement, je remonte. Voilà, je remets mon pull parce que j'ai chaud. Voilà, on va préparer l'oiseau céleste. Donc, je vous montre, regardez-moi. Donc, des mains bien ancrées, les doigts en étoile. Tout simplement, j'inspire, je lève jambe gauche. Donc, je garde bien le bassin dans l'axe. Et je lève bras droit. J'inspire, j'expire, je gagne bien toute la ceinture abdominale. Est à l'intérieur, le souffle est présent. Et quand c'est le moment de revenir, je reviens, je m'assois sur les talons. Et de nouveau, je reviens. J'inspire, je lève jambe droite. Je m'étire, je déploie, je lève bras gauche et je reste. Point entre les deux sourcils, l'oiseau céleste. Et quand c'est le moment pour moi de revenir, je reviens, je relâche. De nouveau, j'inspire jambe gauche, bras droit, je reviens,
Jambe droite va par gauche. Je reviens. Jambe gauche, bras droit. Je reviens. Jambe gauche, jambe droite, bras gauche. Allez, encore une fois. Jambe gauche, bras droit. Je reviens. Jambe droite, bras gauche. Et je reviens, je relâche. Voilà, tranquillement, doucement. Déroulons le dos vertèbre après vertèbre. Et tranquillement, doucement, nous allons nous allonger sur le tapis, soulager quelque peu les lombaires. Voilà, inspire, expire profonde. Nous sentons relié à notre souffle, à notre respiration. Tranquillement, doucement, les deux pieds vers les fessiers. Quelques mouvements de mes genoux d'un côté, de l'autre. Je masse tout le bas de mon dos. Je ramène les genoux dans l'axe. Quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre. Inspire, expire au milieu. J'inspire, je lève les fessiers. J'expire, je déroule le dos vertèbre après vertèbre. J'amène les genoux sur le ventre. J'inspire, je lève les bras, je lève les jambes, je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'expire, posture de la table renversée. Tranquillement, doucement, de nouveau, les deux pieds vers les fessiers, j'ajuste bien les appuis, j'inspire, je lève les fessiers, les genoux restent bien gainés, je monte, 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 un peu plus, un peu plus, un peu plus, j'expire, je déroule le dos vertèbre après vertèbre, au bout de l'expire, je ramène mes genoux sur le ventre, j'étire le bas de mon j'inspire, je lève les bras, je lève les jambes. J'expire, posture de la table renversée. Tranquillement, doucement, une dernière fois. Inspire, expire profonde, ressentons, positionnons, positionnons les appuis, pardon, les mains, les pieds, le menton rentré, j'inspire, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, le menton contre la gorge, je monte un peu plus, 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 un peu plus. J'expire, je déroule le dos vertèbre après vertèbre, j'amène les deux genoux sur le ventre, j'étire le bas du dos, j'inspire, je m'allonge, je me prolonge jusqu'au bout des doigts, j'expire,
Doigts de pied vers le visage, doigts des mains, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse le ciel un peu plus, un peu plus, un peu plus. Allez. Et je relâche. Posture du papillon qui dort pendant quelques instants. Et tranquillement, doucement, laissons glisser les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, expire profonde. Voilà, on va faire quelques contractions, toujours selon la méthode de Yogi Baba Karkan. J'inspire. J'expire, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte un petit peu plus. Je peux lever les bras, je peux lever les poings, les jambes, je peux lever le visage. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte. Allez, 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 allez. De nouveau, j'inspire. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, allez, contracte, contracte, un peu plus, 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 un peu plus. Une dernière fois, j'inspire, je contracte, je contracte, je contracte, un peu plus, j'amène la contraction dans les os tendus. Et je ressens tout simplement, je ressens comme cela fait du bien, comme je me détends. Tranquillement, doucement, je passe sur le côté où je passe les mains sous les lombaires et je viens m'asseoir sur mon tapis. Nous allons de nouveau repasser à quatre pattes. Donc là, on va faire une série de postures, trois postures. Il y en a une que vous connaissez, deux que vous ne connaissez pas. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est que vous les montre avant, comme ça. Donc vous regardez. Hein. Donc tranquillement, doucement, les mains bien à plat. Tranquillement, doucement, je tends jambe gauche, je lève de jambe gauche, celle-là on la connaît. Je passe jambe gauche par-delà jambe droite, je crochète les orteils. Tranquillement, doucement, j'ancre bien la main gauche au sol, je pivote le pied gauche, j'ouvre la hanche, j'ouvre et hop. Donc ça c'est une posture qu'on a l'habitude de faire. Voilà, celle-là c'est la première. Bien sûr, on fera gauche-droite. Donc ensuite, alors attendez, il faut que je vois de quel côté il faut que je le fasse, de façon à ce que vous voyez le mieux. Bon, on va voir. Je vais essayer de le faire du côté droit. Tranquillement, doucement. Je lève bras droit. J'inspire, j'expire sur tout le côté droit. Et tranquillement, doucement, je presse mon bras droit à l'intérieur, j'engouffre mon bras droit et je pose ma joue droite au sol. Je lève bras gauche. Je regarde vers la main gauche. Puis tranquillement, doucement, si cela est possible pour moi, j'amène main gauche au niveau de taille droite ou alors au niveau de la taille à gauche.
Et j'inspire, j'expire dans toute cette ouverture. Vous avez vu la belle posture que c'est? Non, on est sur la torsion, hein, c'est magnifique. Et tranquillement, doucement, je m'assois sur les talons. Je remonte, posture de la foudre pendant quelques instants. Donc la troisième. Donc là aussi, je vais faire du côté droit pour que vous le voyez bien. J'étire jambe droite, je lève jambe droite. Voilà, tranquillement, doucement. Je vais venir ouvrir bras gauche sur le côté et hop, amener la main gauche derrière. Je plie la jambe droite, je tourne la tête à gauche et j'attrape le pied droit avec la main gauche. Donc dans un premier temps, je laisse aller le genou, puis après je lève le genou, je regarde devant moi. Et j'aurai une notion qui n'est pas évidente. Hein? Allez, à nous. Courage. Allez, on y va. C'est parti. Tranquillement, donc on commence par la gauche. Hein? Tranquillement, doucement, je vais venir sortir pied gauche. Je lève jambe gauche. Boum. Je crochète les orteils. Ça, c'est une posture qu'on a l'habitude de faire. On place bien ses mains bien ouvertes, les doigts en étoile. J'ancre ma main droite au sol. Je pivote, pied gauche, je lève bras gauche. J'inspire, j'expire, je relâche bien la tête. Ou je peux avoir la tête dans l'alignement de la colonne. Je regarde le pouce. Bien, je m'assois sur les talons, je relâche, je laisse infuser. Tranquillement, doucement, je remonte, je sors jambe droite, je lève jambe droite, je place jambe droite par de la jambe gauche, vous voyez, je crochète bien les orteils, appuie sur la main gauche, je pivote, pied droit, j'ouvre, hanche droite, et je relâche la tête, je regarde par-dessus, j'inspire, j'expire, peut-être que le regard est intérieur. Voilà. Je laisse le souffle habiter pleinement la posture. De la racine des cheveux jusqu'au bout des pieds. Et tranquillement, doucement, quand c'est le moment pour moi de revenir, je reviens, je relâche. Alors, tranquillement, doucement, une posture qu'on n'a jamais faite. Alors, j'espère que ça va le faire hein, par vidéo la première fois. Ce sera l'occasion de la reprendre en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Tranquillement, doucement, je lève bras gauche, je regarde main gauche. J'inspire, j'expire dans toute ouverture à gauche. Puis j'inspire, j'expire, j'amène bras gauche. Sous mon corps, je dépose, vous voyez, je dépose, j'engouffre et je dépose la joue gauche. Voilà, j'inspire, j'expire, je lève bras droit. Jusque-là, tout va bien. Puis tranquillement, doucement, donc soit la main droite au niveau de la taille à droite, soit la main gauche, la main droite au niveau de la taille à gauche. Voilà.
Et tranquillement, doucement, main droite au sol, main gauche au sol, je m'assois sur les talons, je relâche. Inspirez très profond, le souffle est plus conscient, plus présent. Je suis moi-même plus présente à mon souffle. Tranquillement, doucement, je monte. Donc on va faire l'autre côté, le côté droit, j'inspire, je monte. J'inspire, j'expire, je passe le bras à l'intérieur. Je dépose la joue droite au sol. Je lève le bras gauche. J'inspire, j'expire dans toute ouverture à gauche, puis j'amène la main gauche au niveau de la taille à droite. Et je relâche main gauche, je relâche main droite, je m'assois sur les talons, j'inspire, j'expire. Allez, de nouveau, à quatre pattes, tranquillement, doucement. J'allonge jambe gauche. Hop là. Oups. J'allonge jambe gauche. Je lève jambe gauche. Je lève bras droit. Et tranquillement, doucement, j'ouvre bras droit vers pied gauche. Je plie pied gauche. J'attrape, si cela est possible, pied gauche avec main droite. Donc, dans un premier temps, le genou gauche est vers le tapis. Je regarde devant moi et je lève la jambe. Et je relâche, je m'assois sur les talons. Je reviens. Donc l'autre côté, j'inspire, je lève jambe droite. Donc il y a une jambe où c'est plus facile que l'autre. J'ouvre bras gauche, j'amène bras gauche derrière. Je plie pied. Je peux tourner la tête, j'attrape le pied. C'est pas forcément évident. Je peux être en direction 2, hein, bien sûr. Dans un premier temps, le genou est au sol et hop, je monte le genou. Je monte le visage. Et je relâche. Voilà, tranquillement, doucement, les bras de chaque côté du corps, balasana, posture de l'enfant. Puis tranquillement, doucement, je croise les doigts derrière le dos, je pointe les index, j'inspire, je lève les bras, je lève les fessiers, appuie sur le sommet du crâne. Expire, je reviens. Inspire, je monte, je serre le périnée, le nombril, le menton est rentré.
J'expire. Voilà, je continue. Chacun, chacune à son rythme. Une dernière fois. Et on expire, on revient et on relâche. Voilà, prenons le temps de laisser infuser. De relâcher, laissons bien aller le poids des épaules, le poids des bras, le poids du dos. Puis tranquillement, doucement, on inspire, on remonte vertèbre après vertèbre. On lâche quelque peu la tête pour soulager les cervicales. On avance bien les doigts de nos mains. On monte sur les genoux, on rentre les orteils, donc des mains bien solides, et on monte. Voilà, ce qui est important, c'est de bien ramener notre bassin vers le bas, plus que nos pieds vers le tapis, et le ventre vers les cuisses. Voilà, ramenons bien le ventre vers les cuisses. Un souffle profond dans la posture du chien, tête en bas. Tranquillement, doucement, on lève la tête et si cela est possible, on vient se mettre, donc il va falloir reculer les pieds en planche. C'est pas forcément évident, hein. Allez, on tient, on serre les fessiers, on tient le nombril. Et tranquillement, doucement, genoux au sol, on allonge les pieds, on plie les coudes, demi-cobra. Ou sphinx selon. Puis tranquillement, doucement, on vient s'asseoir sur ses talons. Tranquillement, doucement. Je laisse glisser le menton, j'écarte les coudes, je laisse glisser le nez, le menton, c'était le front, le nez, le menton, pardon, cobra. Je rentre le menton. Je regarde devant moi, les épaules sont basses. Je peux bouger un peu le bassin.
Et je relâche la joue au sol. J'inspire, j'expire. Je sens bien le mouvement de mon ventre contre mon tapis. Je place ma karasana de détente. Joue gauche au sol, bras droit sorti, genou droit sorti, genou et coude qui se rapprochent, qui sont rapprochés. Puis de l'autre côté, ma karasana, joue droite au sol, coude gauche sorti, genou gauche sorti, coude et genou qui se rapprochent. Tranquillement, doucement, front, menton au sol, les pieds serrés, les mains au niveau de la poitrine, Shalabhasana, inspire, je lève le menton, j'avance le bout du nez, les fessiers se rapprochent, je lève les jambes, je lève les mains, point entre les deux sourcils, je reste, j'expire. Allez, on continue, chacun, chacune à son rythme, j'inspire, je monte. Et j'inspire. Et je relâche la joue au sol, j'inspire, j'expire. Tranquillement, doucement. Je lève pied droit, j'attrape pied droit, je lève pied gauche, j'attrape pied gauche. Dans un premier temps, j'amène un peu plus mes pieds vers les fessiers. Voilà, étirons, étirons, étirons. Revenons. Inspire, je lève le menton, je lève les jambes, je lève les bras, l'arc. Expire. De nouveau, j'inspire. Expire. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et je relâche. Ma karasana de repos, joue droite, joue gauche au sol. Coude droit, genou droit sorti. L'autre côté. Puis tranquillement, doucement, venons nous allonger sur notre tapis, sur le dos bien sûr, nous étions sur le ventre. Voilà, inspire, expire, ressentons.
Dernière posture, Makarasana. J'ouvre les bras, je place jambe gauche sur jambe droite, mes jambes bien croisées, menton rentré, j'inspire. J'expire, genou à droite, tête à gauche. Main droite sur le genou gauche. Tranquillement, doucement, je place jambe droite sur jambe gauche, je croise les jambes, j'inspire, j'expire, l'autre côté. Donc les jambes à gauche, la tête à droite, main gauche sur genou droit. Et je reviens. Dans quelques instants, passons en posture du papillon qui dort, les mains sur le ventre, Yoni Mudra au bout des doigts autour du nombril. Et tranquillement, doucement, relâchons. Allongeons-nous confortablement pour la relaxation. Couvrons-nous. Allons-nous confortablement, tête et nuque au repos, les épaules bien étalées, le dos, les bras, les fessiers, les jambes jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Pendant quelques instants, observons la posture de Shavasana, la posture de relaxation.
Plaçons notre attention au centre du front. Relâchons le centre de notre front. Le point entre les deux sourcils. Relâchons le point entre les deux sourcils. Relâchons le centre de notre gorge. Le centre de notre poitrine, de notre cœur. Relâchons le centre du ventre, le centre du nombril. Relâchons le centre du bassin. Relâchons hanche gauche, cuisse gauche, genou gauche, mollet tibia gauche, cheville gauche, talon gauche, plante du pied gauche, dessus du pied gauche, tous les orteils du pied gauche, le premier orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, tout petit. Le pied gauche est relâché, la cheville gauche, le genou gauche, la cuisse gauche, la hanche gauche. Relâchons le centre du bassin. Relâchons la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, le tibia droit, la cheville droite, le talon droit, le dessous du pied droit, le dessus du pied droit, tous les orteils du pied droit. Le premier orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, le tout petit. Relâchons bien le pied droit, la cheville droite, le mollet droit, le genou droit, la cuisse droite, la hanche droite, le centre de notre bassin. Relâchons le ventre, le nombril, le centre du ventre. Relâchons les côtes, la cage thoracique, la poitrine, le centre de la poitrine, sein gauche, sein droit. Relâchons l'espace du cœur. Relâchons les épaules, épaule gauche, épaule droite. Relâchons le centre de la gorge. Relâchons bien l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, la paume de la main gauche, le dessus de la main gauche, pouce main gauche. Index main gauche, majeur main gauche, annulaire main gauche, auriculaire main gauche. Le bras gauche est bien relâché, main gauche, poignet gauche, avant-bras gauche, coude, haut du bras, épaule gauche, clavicule gauche. Relâchons le centre de la gorge. Relâchons l'épaule à droite, le haut du bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet droit, la paume de la main droite, le dessus de la main droite, le pouce de la main droite, l'index de la main droite,
le majeur de la main droite, l'annulaire de la main droite, l'auriculaire de la main droite. Le bras droit est relâché, la main droite, le poignet droit, le bras, l'avant-bras, le haut du bras, l'épaule, la clavicule droite. Le centre de la gorge. Relâchons tout l'arrondi de notre visage. Les mâchoires se desserrent. Relâchons les lèvres, les commissures des lèvres, les narines. Narine gauche, narine droite, les arêtes des narines à droite, à gauche. Relâchons le contour des yeux, les yeux, l'intérieur des yeux, le point entre les deux sourcils. Relâchons bien le point entre les deux sourcils. Relâchons le front, le centre du front. Relâchons le sommet du crâne, le centre au sommet du crâne. À l'inspire, accueillons toute cette énergie qui vient de l'univers, du cosmos, cette énergie vitale, et à l'expire, diffusons-la dans tout notre corps, tout notre corps, tout notre corps. Tranquillement, doucement, reprenons contact avec tous les appuis de notre corps au sol. Reprenons contact avec la position de notre corps dans l'espace, ici et maintenant. Reprenons contact avec notre souffle, avec nos mouvements. Doigts des pieds, doigts des mains. Cheville, poignet, tout l'arrière du corps, les fessiers, les épaules. Voilà, parfait. Amenons les deux pieds vers les fessiers, les genoux sur le ventre, massons le dos d'un côté, de l'autre.
Étirons-nous, 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 étirons-nous. Bâillons si cela se présente. Allez, on se contracte, on se contracte, on se contracte, on se contracte, on se contracte. Et on revient, voilà. Les mains sur la tête, on masse le crâne. Voilà, les mains, les doigts qui lissent le front, qui font des petits mouvements circulaires au niveau, autour des yeux, pardon, on frotte le nez. Voilà, les mains en creux sous le menton, on masse le visage, puis on tire les oreilles. Voilà. Puis tranquillement, doucement, on passe sur le côté pendant quelques instants, comme un bébé qui dort. Et on vient s'asseoir tranquillement, doucement sur son tapis. Voilà, nous allons chanter trois fois la syllabe OM. Inspire. Quelques instants, installons-nous au centre de notre cœur. Les mains sur le cœur. Et je vous remercie, Om Shanti. Merci beaucoup, merci bien. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Là, c'est la soirée, une très belle journée. Voilà, je l'ai dit ce matin, la méditation, mais je le redis parce que peut-être que tout le monde ne fait pas la méditation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue ces derniers temps, voilà, qui me permettent de pouvoir faire mon travail, tout simplement d'exercer, de pratiquer en toute sécurité. Voilà, je sais que ces personnes se reconnaîtront. Merci. Voilà, merci beaucoup, vraiment. Om Shanti, merci. Allez, maintenant, il faut que j'éteigne l'ordi. J'avance. Voilà. Bon, allez. À très bientôt. Ah, bah, ça n'a pas marché. Et voilà, on y est. Bye bye.